Couronnement de Charles III. On sait ce que se sont murmurés Kate et William avant d'entrer dans l'abbaye. En effet, le protocole veut que le roi soit le dernier à entrer dans les lieux, or il n'a pas eu d'autre choix que d'emboîter le pas aux parents de George, Charlotte et Louis. Ce qui les aurait mis en retard. Point. Leurs trois petites têtes blondes qui auraient fait des siennes, d'après les révélations du journaliste expert en royauté Omid Scooby dans Harper's Bazaar. Alors pour éviter tout autre couac qui finirait d'agacer le roi Charles III, ils n'ont pas hésité à se donner quelques conseils avant de pénétrer dans l'abbaye de Westminster. Kate a mis en garde le prince William. Souvenez-vous, juste avant d'entrer dans le lieu sacré, le prince William et son épouse Kate Middleton ont été vus en train d'échanger quelques mots en murmurant. De quoi attiser la curiosité des téléspectateurs, qui auraient bien aimé être de petites souris pour entendre la discussion du couple. Heureusement pour les plus curieux, un expert labial s'est penché sur la question et pense avoir décrypté ce que se sont dit les deux époux. D'après Jeremy Freeman, qui s'est confié au Daily Mail, la princesse de Galles aurait tout simplement mis en garde son compagnon en lui lançant « Fais attention à la robe ». Ne t'inquiète pas, je l'ai, ou je l'ai attrapé, lui aurait alors répondu l'intéressé. Leur grande peur? Se prendre les pieds dans leur cape et faire une lourde chute face au monde entier. Heureusement, le drame a été évité.